Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, Direction l'hippodrome du Croisé-la-Roche ce mercredi 24. 20... 24 mai, pardon, euh, en compagnie des trotteurs, ce sera le GNT tout simplement. Euh, vous le voyez en hein, R1C7, Grand National du Trot. Euh, R1C7, vous trompez pas, hein, c'est vrai que d'habitude c'est la dernière course qui est support euh, de plus soit, Cette fois, ce sera euh, la septième épreuve. Euh, comme j'ai dit, donc le Grand National du Trot qui revient pour la cinquième étape dans le nord. Euh, pas besoin de voir les conditions, juste à noter un nom partant hein, Le numéro 10 euh, qui sera d'ores et déjà non-partant, c'est Epsom d'air Du coup, ils ne sont plus que 15 au départ, euh, 2800 mètres à parcourir. Euh, réparti sur trois échelons euh, de départ, avec un recul de 25 mètres à partir du 8, et puis un seul concurrent au troisième échelon, euh, ce sera le numéro 16, hein, euh, Frick Duchesne, euh, qui aura la lourde tâche de rendre 50 mètres. Euh, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que, à mon sens, les concurrents qui partent au deuxième poteau devraient se tailler la part du Lion, à commencer par le 11 hip hop au fort, qui est déféré des quatre pieds, après une bonne rentrée, hein, c'était euh, sur l'hippodrome euh, de Saint-Brieuc, dans le Grand National du Trot, déjà, le 26 avril dernier. C'était euh, la. C'était la quatrième étape et c'est vrai qu'il termine huitième mais la course, c'était euh, la, la performance est assez intéressante d'autant qu'il était ferré, qu'il effectue une petite rentrée. Là, euh, je pense qu'il a dû monter là-dessus. C'est un cheval qui est dur à l'effort. La grande piste euh, du Croisé-La Roche va vraiment lui convenir. Elle permet d'adopter toutes les tactiques et surtout elle permet euh, de revenir. Donc voilà, avec la longue ligne droite, je pense qu'il a vraiment une très belle carte à jouer. Euh, ça aurait été à j'aurais été plus confiant. Euh, même si c'est une belle piste, la, la piste du Croisé-La Roche. Euh, c'est vrai que les valeurs parfois euh, sont un petit peu bougées hein, quand euh, il s'agit de pistes un peu en province, on l'a vu parfois à Saint-Brieuc, ça peut arriver sur n'importe quelle piste, à Vincennes un peu moins en tout cas, euh, quoi qu'il arrive, euh, hip hop au fort c'est une toute première chance lorsqu'il est déferré des quatre pieds, quatrième du prix d'Amérique, euh, moi je fonce. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 15 Happy Valley. Happy Valley qui a quand même terminé euh, troisième du critérium des 5 ans l'an passé hein, derrière euh, Onek et, euh, et le cheval de Benoît Robin euh, dont j'ai oublié le, le nom. Euh, en tout cas, euh, c'est euh, une, une super jument. Euh, ça, il n'y a rien à dire, elle a une super pointe de vitesse finale, elle fait partie des meilleurs éléments de sa génération, elle l'a prouvé. Dernièrement, elle s'est montrée fautive dans les ducs de Normandie, mais il faut pas la condamner là-dessus. Hein. Euh, C'est vraiment euh, pas dans son genre, même si euh, de temps en temps, elle peut se montrer fautive. En tout cas, euh, moi, je la reprends confiance, l'engagement est très très bon hein, au plafond du deuxième poteau, et euh, je pense qu'elle est capable de remettre les pendules à lair, En tout cas, euh, Jean-Philippe Dubois qui, fait, qui effectue certainement euh, le déplacement avec de grosses ambitions. Ensuite, en troisième position, euh, j'ai retenu le numéro 9, le leader du GNT, hein, euh, Gaspard Dangy, euh, qui a remporté l'étape lyonnaise, l'étape marseillaise, euh, qui vient de terminer troisième de l'étape à Saint-Brieuc, donc voilà, l'étape bretonne. Euh, rien à lui, a, rien à rajouter sur sa candidature. C'est vrai que c'est un cheval qui est un ton en dessous des six ans. Euh, ça euh, j'en mettrais ma main à couper C'est vrai que Harlem Debussy euh, ou encore Hip Hop au fort et Happy Valley sont meilleurs que lui Mais c'est vrai que dans ce genre de tournoi euh, L'aptitude aux différentes pistes est un atout Ça aurait été à Vincennes, j'aurais retenu Harlem Debussy devant lui Mais il a réussi à, à battre Harlem Debussy qui était pourtant favori euh, sur l'hippodrome de Lyon-Paris Du coup je me dis qu'il est capable de refaire la même chose euh, sur l'hippodrome du Croisé-La Roche Pour moi il est un tour en dessous de Hip Hop au fort et Happy Valley clairement mais c'est vrai que sur ce genre de, de piste de province, on est obligé de, de, de faire les choses un peu différemment. Et en tout cas, Gaspard D'Angie, euh, ça ne lui enlève rien à sa qualité. C'est vraiment un très très bon cheval. Et euh, il l'a prouvé à plusieurs reprises. Et notamment euh, les 3-4 dernières fois où il a vraiment très très bien couru. Moi, en tout cas, euh, je pense qu'il va faire sa course. Pour la victoire, faudra il faudra qu'il se montre vraiment, vraiment très performant. Parce que je pense que les 6 ans vont pas lui faciliter la tâche. Mais il devrait faire sa course et terminer les 3-4 premiers sans incident. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 8 à Arlem de Bussy, comme je l'ai dit. Ça aurait été à Vincennes. J'aurais même peut-être tenté de le retenir en tête à Arlem de Bussy. Il a quand même terminé deuxième du prix de Paris, c'est pas rien. Euh, en prenant tête et corde face à Ampia MDSM, euh, avoir tenu la partie, la, la dragée aussi haute à Ampia BDSM, c'est pas une mince affaire. Ça prouve sa qualité. Il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vincennes, donc sa forme est sûre. Maintenant, comme je l'ai dit... Euh au croisé la roche, ce sera pas la même histoire. La ligne droite est longue. C'est vrai que c'est un cheval qui est capable d'adopter toutes les tactiques, mais s'il prend tes cordes, faudra aller au bout de la longue ligne droite. Ce sera pas forcément évident. En tout cas, comme j'ai dit, il va faire sa course, il va vendre chèrement sa peau et il est franchement euh, compétitif pour une des quatre premières places. Ensuite j'ai retenu le numéro 12. Hein. Euh, Goélandofor, c'est vrai que je vous l'ai dit, ça va être une question de parcours. Je pense que les 5 que je viens de citer, le 11, le 15, le 9, le 8 et le 12, donc Goélandophore, ce sont les 5 premières chances de cette course. Même en rendant 25 mètres, je pense qu'il devrait se tailler la part du Lion. Je serais très étonné euh, qu'il n'y en ait pas 4 sur les 5 qui soient dans les 5 premiers de ce quinté. Et c'est vrai que ce Goélandofor, en tout cas, il vient de se prouver sa forme. Il a gagné sur le tapis vert hein, après la disqualification de Fakir de Mae. Une disqualification qui est assez sévère d'ailleurs. En tout cas, ça n'enlève rien à la qualité de Goélandophore qui s'entend bien avec Damien Bonne. Euh, il a terminé deuxième de la clôture du GNT l'an passé, donc ça prouve qu'il est aussi capable de bien faire dans ce genre de compétition. Moi j'aime beaucoup sa candidature. Euh, comme les quatre que j'ai cités avant lui, le 11, le 15, le 9 et le 8, ce numéro 12, Gwélandofor, il fait partie des priorités. Euh, derrière ces 5 là, parce que euh, ça m'étonnerait, il faudrait vraiment avoir beaucoup de chance pour avoir ces 5 là qui soient aux 5 premières places, même si c'est forcément possible vu leur qualité. Euh, J'ai retenu en 6 position le numéro 5, gamin Jabba, un gamin Jabba euh, qui vient de nous assurer de sa forme en s'imposant euh, sur l'hippodrome de Vincennes dans un lot un peu plus modeste. Maintenant il rendait 25 mètres et euh, c'était euh, tout à son honneur de s'imposer. Euh, le cheval est en grande forme, comme je l'ai dit, il a très bien couru hein, du côté euh, de Saint-Brieuc, hein. il a été disqualifié à enquête alors qu'il avait euh, pu faire l'arrivée. Faut le reprendre en confiance, d'autant qu'il vient de remettre les pendules à l'heure au premier poteau, euh, il aura pour lui d'avoir 25 mètres d'avance. Je suis pas sûr que ça suffise pour terminer dans les 3-4 premiers, mais bon, euh, sait-on jamais s'il venait à y avoir une, une défaillance au deuxième poteau ou s'il arrivait vraiment à Nicolas Bazir à lui donner le parcours qu'il faut, il pourrait éventuellement terminer quatrième, mais c'est vrai qu'avant le coup, une cinquième place pour moi il aurait rempli son contrat. Ensuite en septième position j'ai retenu le 3 Galba Raja, un petit peu le même cas que Gamin peut-être qu'il est un tout en dessous de Gamin maintenant c'est un cheval euh, qui est capable de prendre tête et corde. Euh, c'est vrai qu'on l'a souvent vu faire cette tactique hein, à Vincennes ou même euh, à Cagneux-sur-Mer, en tout cas. Euh, c'est un cheval de qualité. Euh, comme je l'ai dit, comme pour Gamin je pense que les concurrents du second poteau, du deuxième échelon pardon, euh, sont euh, un ton au-dessus. Mais voilà, il est défer d'accueil au pied. Il va profiter de son avantage initial pour peut-être faire un peu de train et essayer de distancer euh, ses rivaux. Si c'est le cas, peut-être qu'il peut conserver quelque chose, mais avant le coup, moi je vois plus pour une 4-5e place maximum. Enfin, en fin, 8 e position, j'ai retenu le 16 fric du chêne, fric du chêne aux 50 mètres, ça va être difficile. Hein, Regardez l'engagement, euh, c'est pas forcément l'idéal. Hein. Recule de 50 mètres à 462 000, il a 514 000, ce n'est pas son engagement de l'année. Maintenant, la dernière fois, il n'a pas été très chanceux, il est déféré des 4 pieds, c'est un super finisseur, il a déjà bien fait sur cette piste, et même d'ailleurs dans cette étape, je crois il y a deux ans, donc voilà, il a quand même pas mal d'arguments à faire valoir, même si aux 50 mètres, à mon avis, faudra qu'il ait le parcours idéal pour pouvoir intégrer la bonne combinaison du quintet, mais bon, sait-on jamais, comme je le dis tout à l'heure, euh, pour une cinquième place avec un bon parcours et une belle ligne droite, il est pourquoi pas capable d'aller accrocher quelque chose, mais pas vu qu'une cinquième place, à mon sens. Et enfin, en cas de non partant, euh, j'ai retenu le numéro de Fiesta du Belver, une fiesta du Bel vert euh, qui vient d'afficher un net regain de forme maintenant. Euh, L'opposition est de taille, comme pour la plupart des concurrents euh, du premier poteau. Elle va longer le rail, espérer que ça s'ouvre. Si elle venait à finir sixième ou septième, elle aurait repris, elle aurait rempli son contrat. S'il venait à y avoir une ou deux défaillances et qu'elle arrive à vraiment avoir le parcours de rêve, elle peut peut-être accrocher la cinquième place, mais voilà, ce serait un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 11 euh, fort que j'ai retenu en tête devant le 15 Happy Valley, le numéro 9 euh, Gaspard Dangy. en quatrième position le 8 euh, Harlem Debussy devant le 12 euh, Fort. en sixième position le 5 Gamin Jabba, en septième place le 3 Galbaraja et enfin en huitième position le 16 euh, Frick du Chêne et en cas de partant le numéro 2 euh, Fiesta du Belvaire. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, moi j'ai 5 concurrents qui me plaisent particulièrement. 11, 15, 9, 8 et 12. Pour moi, parmi ces 5-là, obligatoirement, il y en aura 4 à l'arrivée. Savoir dans quel ordre, c'est toujours pareil, c'est une question de parcours. Mais pour moi, 11, 15, 9, 8 et 12 euh, sont les 5 chevaux de la course. Après, voilà, si vous voulez prendre ceux que je préfère, j'ai mis 11, 15, 9 en tête. Mais voilà, ce sera, comme j'ai dit, une question de feeling. Et tout dépendra du déroulement de course. Euh, un petit tour du côté du prix euh, Gaston Louis Brunet, pardon, euh, support de Quintet de lundi à, à Marseille avec euh, Diva du Dancing le 6 qui s'impose devant l'AS Indian Pacific, le 14 Ridwan le 10 Cléodore qui termine de très belle manière et le 11 euh, Benny Killard qui surprend également tout comme le, doux, le tout comme l'AS Indian Pacific en tout cas, nos deux rubriques qui font le boulot et de belle manière un hein, tiers écarté et Quintet avec plus de 1500 euros pour le Quintet euh, dans le désordre pour nos deux rubriques, plus quelques trios dont à plus de 3600 euros de la part de... Top Prono, vraiment très très belle journée de nos deux rubriques que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est 100 engagements, Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, euh, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Euh, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf Donc voilà, n'hésitez pas à euh, venir euh, tenter votre chance. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. En tout cas, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de La Minute Quintée. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.